c'est le Ton Sniper. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Donc j'ai téléchargé le jeu il n'y a pas très très longtemps et j'en suis bah je suis très très enfin j'aime beaucoup ce jeu. Donc aujourd'hui on va se retrouver donc pour le Sugo Fest du 10 février. Alors donc le Sugo Fest dure 3 jours. Du 10 au 12, enfin du 9 au 12, et il y a, y a 3 séries de personnages à capturer. Enfin, moi, alors moi, je vais recruter pour celle-là, donc du 9 février au 10 février, parce que c'est celle tout simplement qui m'intéresse bah, le plus. Celle, même si je connais pas grand chose au jeu, d'après, en fonction des persos que j'ai pas et de ce que j'ai pu entendre, cette série d'unités qu'on peut avoir aujourd'hui m'intéresse plus que les autres. Alors, excusez-moi également pour le, bah, le contour, parce que voilà, bon, ça va être un contour qui a été vite fait, parce que je n'ai pas encore de beaux contours, hein, j'espère en avoir un dans pas très très longtemps, voilà. Alors, moi pourquoi j'ai déchargé le jeu, parce que j'ai commencé One Piece il y a pas longtemps, d'ailleurs, j'espère qu'il y en a qui vont pas me spoil la fin de l'histoire, hein, sinon, bon, sinon je vous bannis de ma chaîne à tout jamais, si vous me spoilez vers les derniers épisodes, j'ai commencé One Piece il y a pas très très longtemps. Donc voilà, donc ça m'a donné envie de télécharger ce jeu, sachant que si vous, bah si vous êtes des abonnés, si vous êtes, vous avez vu les autres vidéos de ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup ce genre de jeu, parce que ça ressemble beaucoup à Brave Frontier, donc du coup, j'aime beaucoup One Piece, depuis que je l'ai découvert, et j'aime également beaucoup ce genre de jeu, donc du coup, bah tout, on va dire, tous les éléments s'y prêtaient pour pourquoi je télécharge ce jeu. Donc on est parti tout de suite pour le Sugo Fest à 10 invocations, recrutement rare, 10 plus 1. Donc on est tout de suite parti. Recrutement rare, voilà, donc un essai offert recruté 10 plus 1. Oui, on espère avoir des trucs, sachant que je vous montrerai. Dites-moi vraiment les persos qui sont pas géniaux, mais on va dire bien à voir. Et dites-moi également, après je vous montrerai mes autres persos que j'ai déjà et vous me direz lesquels sont bien, enfin lesquels sont les meilleurs. Je compte vraiment sur vous. On commence tout de suite par. On a beaucoup de or, ça fait plaisir. Ou je lag. Celui-là, non, on s'en fout. Lui, je sais pas qui c'est. Lui non plus, je sais pas qui c'est. Je suis pas assez avancé dans l'histoire. Ouh, ça lag de ouf. Ah, ça c'est. C'est Tashigi. Hop. Lui, c'est. Je ne sais pas non plus qui c'est. Trafalgarlo. Hop, on continue. Ah, elle, c'est Miss. Celle qui était avec Mister Sui. Miss Goldenwick. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Franchement, elle est pas du tout mal, Monet. En plus, monnaie 5 étoiles. Franchement, monnaie 5 étoiles, ouais, franchement, c'est pas du tout. C'est pas du tout mal. Ça fait vraiment plaisir. Non, parce qu'en fait, si vous le savez pas, elle soigne l'équipage de 5 fois les RCB à la fin du tour. Et elle inflige 5 fois les dégâts équivalents 5 fois à l'attaque du personnage. Donc, franchement, relativement cool ça. Enfin, surtout pour les débutants comme moi. Enfin, Zoro que j'ai déjà. Encore une fois, celui-là. Ouh, c'est bizarre ça là comme ça. Chopper qui non, c'est pas celui-là, mais il y a un Chopper 5 étoiles qui est relativement, enfin qui est pas trop mal d'après ce que j'ai vu. Et là on est parti pour l'invocation spéciale. Hop, c'est parti. Ça a pas l'air d'être on n'est pas sur un gros personnage. J'ai pas l'impression qu'on est sur un gros personnage. Donc voilà qui j'ai eu. Donc maintenant je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer donc voilà. Donc là il y avait les personnages que j'avais déjà. Et là nous avons les nouveaux personnages que j'ai eu. Donc du coup bah dites-moi vraiment lesquels sont les meilleurs. Sachant je pense que Monet est vraiment va être assez cool vu qu'elle est relativement puissante. Hop.
Donc bah voilà, donc j'attends vraiment vos avis, déjà vos avis sur déjà si vous avez des astuces, des conseils pour moi, pour m'aider dans le jeu. J'attends vraiment tous vos conseils, je les prendrai tous, je les prendrai tous en compte. Et également s'il y a des types de vidéos sur ce jeu qui vous ferait plaisir, dites-moi et je les ferai avec grand plaisir parce que c'est vrai que par exemple comme dans les îles bonus, il y a énormément de donjons, mais je sais pas lesquels sont intéressants, lesquels ne le sont pas. Voilà, donc du coup je sais pas trop. Donc vraiment dites-moi si il y a des types de vidéos que vous voulez avoir. Donc en tout cas, c'est la fin de cette première vidéo sur One Piece Treasure Cruise. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Oui, dites-moi vraiment lesquels persos sont bien. Et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir. Allez, salut tout le monde.